Salut à tous, c'est NifexSwiss, on se retrouve sur MO6 pour découvrir un tout nouveau pack qui vient de sortir cette semaine. Il y a le pack Chaos et le pack Demi-Dieu qui sont sortis, qui arrivera également bientôt du coup. Mais là, on est parti sur le pack Chaos, donc le pack pour les skins d'armes, pour les armes polonaises, je vais y arriver. La FO12, la LMG, la M16, on s'en fout, la Scorpio, tout ça, tu connais. C'est des noms un peu chiants à prononcer, mais t'auras compris. Mener la charge avec le pack Chaos, qu'on prend les skins d'armes Bulldozer, qui est plutôt badass, ainsi que le pendentif exalté. Je t'avoue que le pendentif me hype, le skin d'arme me hype, c'est un pack qui a l'air absolument magnifique. Donc pour les Polonais, ça vaut 594 crédits R6, on peut pas l'acheter avec de la renommée malheureusement. Ce qui est dommage, demi-dieu est-ce qu'on peut? Demi-dieu on peut pas non plus, dommage, c'est que avec des crédits R6. Mais je t'avoue, là clairement je vais pas regretter mon achat à mon avis vu la gueule du truc. Alors certes, très basique, mais je pense que le rendu peut être vraiment très très cool. Donc écoute, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 5 armes différentes et le pendentif, c'est bon ça. Enfin, on confirme, on achète et il faut du rêve. Parce que là, je t'avoue que je suis bien hypé, ma foi. Enfin, d'ailleurs, au passage, ça va faire une semaine que j'ai acheté pour 100€ de crédit R6. Ubisoft me les a bien enculé profondément et ils me répondent même pas au support. Ils m'ont envoyé bouler en disant « Oui, vous les avez vos crédits R6 ». Sauf que ceux que j'ai, c'est ceux que j'ai dû racheter encore une fois. C'est juste inadmissible, ils sont totalement incompétents. J'arrive pas à comprendre qu'ils puissent t'enculer 100€. Et même pas te répondre au support, c'est un truc de fou. Mais enfin bon, c'est comme ça. Je finirai par les spammer de l'infini partout s'ils continuent. Je sais pas, je sais tout ce que je peux pour essayer de récupérer ça, parce que je t'avoue que j'ai un petit peu les boules. Mais enfin bon, on est là pour le skin d'armes, on va se concentrer là-dessus. Alors, le petit skin Bulldozer. Ah, je t'avoue que j'aime. Alors, c'est du basique, mais les petits, toi, le petit indicateur... jaune là, l'attention jaune avec les petites taches jaunes sur le chargeur. D'ailleurs, taches jaunes sur le chargeur, je crois qu'il est sur toutes les armes ou je dis non, il est sur toutes les armes exactement. Mais là, pour le coup, avec le skin, c'est pas mal. Bon, après, voilà, c'est hyper basique comparé à d'autres skins comme le Saria. Ah, mais je t'avoue que j'aime bien. Tu mélanges ça avec l'uniforme noir champ de l'opération Blue Darkhide. Je peux te dire que t'es à bon. Là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait d'agents. Faudrait voir. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des nouveaux uniformes pour les. Enfin, la saison précédente pour les nouveaux agents. Je crois pas, mais il faut checker parce que je t'avoue, effectivement, ce genre d'uniforme peut être pas mal. Mais là, pour le coup, le skin d'arme est génial. Le skin d'arme rend très très bien. J'aime bien en fait le rendu qu'on a au niveau de la texture, qui est ma foi pas dégueulasse. Et du coup, le pendentif exalté. Oh, je l'aime. Ah, franchement, il est cool, il rend super bien. Entre un petit zoom. Non, franchement, puis ils l'ont bien tourné pour qu'on puisse le voir. Là, pour le coup, j'adore. Ah, ce petit pack est pas dégueulasse. D'ailleurs, on peut voir un petit peu au niveau des détails. On voit bien justement, concept, on voit les attentions électriques, c'est vraiment sympa. Ces textures, bon après voilà, c'est basique forcément, mais t'as quand même plein de petits détails et tout, je trouve très réaliste, très sympa, vraiment un skin d'arme que j'aime. Donc plutôt content pour le coup. Du coup la LMG ça rentre très bien, on part sur la M762. Bon alors, on a plein de skins plutôt cool, mais je t'avoue que celui-ci là pour le coup, franchement, énorme coup de cœur. Montre la différence, oh. Du coup là par défaut l'arme effectivement, le jaune qu'on voit en bas, elle l'a à chaque fois, c'est effectivement le ruban qui est par-dessus. Et ça rend super bien avec le skin. J'adore. Avec le petit, à l'avant, je pense qu'in-game, en plus, on va le voir. Le petit attention en jaune, il rend super bien. Fin. En plus, avec le truc qui tient à l'arrière et sur la crosse 762, c'est vraiment cool. On va aller voir également sur le pistolet polonais, forcément. C'est pour toutes les armes polonaises. Oh, pas mal! Le rendu est pas mal du tout avec les flèches blanches et tout, ça rend super bien. Enfin, les lunes blanches, les flèches blanches sur la crosse, c'est pas mal. Franchement, j'adore ce skin. C'est pas, il y a rien de compliqué, c'est vraiment basique, mais il est réaliste, il est très bien réalisé, il y a des petits détails juste là où il faut, donc très sympa. Alors j'ai été vendre à la boutique, c'est ça qu'on m'a dit plusieurs fois qu'il y avait les anciens uniformes, enfin le Blue Darkhide pour les nouveaux agents. Je pense qu'on m'a menti. Parce que clairement, même s'il était dans le pack, il serait forcément à l'unité. Et là, il y est pas. Donc, c'est des conneries, on va raconter n'importe quoi. Mais c'est pas grave, le VZ89 ira très bien avec. Effectivement, le skin comme ça. On est très foncé avec l'arme, ça va rendre super bien. Enfin, juste le rendu comme ça de l'arme, regardez ça. C'est tellement badass. Ça va super bien avec l'uniforme et tout, c'est splendide. Du coup, allons voir un petit peu sa sœur et là, voir comme ça se passe. Bon, je t'avoue que j'ai mon petit skin que j'adore. Jusqu'à maintenant, j'utilise plus que celui-ci sur la Scorpio. Ah, après, on aime ou on n'aime pas. C'est particulier, le skin alambric. Mais c'est mon petit coup de cœur. Par contre, là, je t'avoue, avec le petit skin Bulldozer, alors, elle est franchement pas dégueulasse. Hein. Mais franchement, le skin Bulldozer, génial. C'est plein de petits détails et tout, je surkiffe. Hein. C'est juste magnifique. Le rendu rentre très très bien. Puis hyper réaliste, c'est ça qui est cool en plus. Hein. Hyper réaliste, mais quand même avec des petites touches pour être un petit peu, des petits blancs. Quand même avoir un petit peu de, pas de couleur, mais de contraste si j'ose dire.
Donc vraiment sympa. Au niveau du fusil à pompe de Ella, autant dire l'arme qu'on ne doit pas très très souvent utiliser. Parce que bon, je trouve déjà pas fou à la base, mais en plus, face à une Scorpio, voilà, prends la Scorpio, il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin. Mais le rendu est génial, avec le blanc là sous la crosse à l'avant. Ah non, c'est vraiment cool. Je me répète, mais j'ai une admiration dans le skin. Franchement, c'est rare que j'apprécie les skins très unis comme ça, très foncés. Mais là, pour le coup, il travaillait, il est cool, il va bien avec le reste. Donc rien à dire, franchement. Ah, je viens de comprendre à tous les coups. La personne qui m'a... Enfin, les personnes qui m'avaient dit justement, il y a l'uniforme Blue Door Kite sur la nouvelle saison White Noise. Non, en fait, ils ont dû confondre avec Ella. En pensant polonais, ils se disent, tiens, les Polonais, ils ont l'opération Blue Door Kite dessus. Non, parce que Ella est sortie pendant l'opération Blue Door Kite, c'est pour ça. J'imagine c'est à cause de ça qu'ils ont confondu. Et effectivement, son petit uniforme noir, écoute, uniforme noir, noir plus arme noire, comme ça. Elle est plutôt, certes, enfin, super badass, mais en plus super discret. Et ça rend super bien, quoi. Une game, je pense, ça va vraiment être top. Allez, on commence avec Sophia, la M762. Le petit skin de qualité et le pendentif surtout. Je t'avoue que le pendentif est hyper badass. Le côté bouclier comme ça avec les armoiries. Ah, j'apprécie. Au niveau du skin de l'arme, on voit un petit peu. Bon, je pensais qu'on verrait un petit peu plus le logo jaune, on voit pas forcément beaucoup. Mais c'est sub, c'est classe, c'est parfait. Donc rien à dire. Au niveau du pistolet, en recharge, on voit bien les lignes blanches. Ah non, il est cool. C'est vraiment ce genre de skin très très réaliste, mais qui rend super bien. Donc vraiment beaucoup de cœur pour le coup, quoi. Pour rappel, il vaut 500 et quelques, je crois, de crédit R6, ça correspond à peu près à 4 euros, on va dire, 4-5 euros, ça dépend combien t'en prends. Donc voilà, c'est vrai, après, t'as les pour contre. C'est certes que pour les armes polonaises, mais toutes les armes polonaises, et c'est vraiment cool. Alors sur la batteuse, la LMG, ça n'a pas l'air dégueu, on voit bien le pendentif quand même. Le pendentif rend super bien sur la batteuse. Chaud. Donc un petit peu, bon, forcément la batteuse, on voit assez mal le skin, avec toutes les balles et tout. C'est vrai que le skin de la batteuse... Avec les munitions comme ça, ça rend super bien. À l'arrière, on voit les petites lignes blanches et noires quand tu marches. Ça se bouge pas, il est un... Non, ça, on le voit quand même. Non, franchement, sympa. Rien à dire. On va voir du coup au niveau de Ella. On va un peu le rendu sur les autres armes. Du coup, on passe à Ella, montre-moi un petit peu au niveau du fusil à pompe. Faire un peu de lumière, voilà. On met un petit peu le jour. Non, franchement, il est sympa. C'est voilà. Maintenant, faut aimer les skins, ce genre de skin à chaque fois. Gadget d'équipe. Ouah, j'ai pété la cam. Effectivement, j'ai pété la cam depuis là. Alors, écoute. C'est bizarre d'ailleurs comme ça casse. C'est assez étrange son fonctionnement. C'est pas comme les autres pompes. Ça fait plein de petits trous assez étranges. Mais ok. Dans tous les cas, ouais, voilà. Ce rendu, franchement, j'adore. C'est, après, on aime pas, j'imagine. Mais difficilement pas l'apprécier, je pense. Il est vraiment très très sympa avec les cuissons. Qu'on voit bien, du coup, passons à l'arme. La meilleure arme d'un Scorpio, quoi. Celle que tout le monde aime. Parce que bon, c'est pas que c'est l'arme la plus pétée du jeu. Mais un petit peu. Juste la petite image avec Ella, je t'avoue, c'est quand même pété. Son fusil à pompe avec le canon long, ça veut pas dire grand chose. Et voilà, petit scorpion Evo 3-1. Certes, ah, franchement j'adore. Bon après, je t'avoue que l'ancien skin que j'avais, je le kiffe. Mais celui-ci, vraiment, un pack que je vous conseille. Vous aimez utiliser les agents polonais. Parce que clairement, c'est carrément cool. Et si tu prends là, avec la tenue en plus de Ella totalement noire. C'est un petit pack qui va super bien ensemble. Pour le coup, vraiment. Puis même le pendentif est cool. Souvent les pendentifs, je suis un petit peu moins fan, je vois pas trop les trucs. Mais là, je t'avoue que le pendentif, je le trouve mais carrément cool. Il est super badass, un gros pendentif comme ça, bouclier. Ça rend juste super bien. Du coup, les amis, on va pas tarder à se laisser. Juste encore une fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir le Best of Live qui vient de sortir dans les fiches, vous le trouvez. Si vous connaissez pas le principe, je prends en fait le meilleur d'un live entier de plusieurs heures que je regroupe en 10-15 minutes. Et franchement, c'est hyper bien, c'est du fait, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a de temps en temps du skill, mais vraiment, je vous conseille d'aller voir, parce que c'est plutôt sympathique, donc vraiment dans les fiches, le petit clic qui fait plaisir, le vieux pouce bleu comme d'habitude, avoir un petit peu au niveau de l'image de fin sur la Scorpio, mais franchement, je doute pas que le skin soit cool, ce skin, ce pistolet, le fusil à pompe, les armes, tout est cool, vraiment un pack que j'apprécie, que je recommande pour le coup, enfin, regarde ça, juste trop badass, l'uniforme Blue Door Kite avec ce skin, il rend mais tellement bien, c'est juste magnifique. Du coup, on se laisse ça, des gros bisous, pensez à laisser le pouce bleu et à tout bientôt. Ciao, ciao!